Alors oui, le mot de singularité, c'est un mot qu'on voit de plus en plus souvent dans les médias. Alors il peut y avoir plusieurs définitions possibles. Une définition, on va dire, soft et une définition hard. Donc là, je commence par la définition soft. C'est simplement l'idée, donc qui a été popularisée notamment par l'Américain Ray Kurzweil, que les technologies vont s'accélérer mutuellement. Par exemple, les progrès en intelligence artificielle vont accélérer les recherches en médecine et en biologie. Et inversement, si à un moment donné, par exemple, on a des augmentations cognitives, ça peut accélérer la recherche en mathématiques. Donc on observe déjà ce phénomène d'accélération mutuelle des technologies. Donc ça va être déjà l'idée que ça va aller de plus en plus vite, possiblement sans limite de vitesse. Mais il y a aussi une autre définition qui est davantage relative à l'intelligence artificielle. Donc c'est l'idée que, supposons qu'un jour on atteigne une intelligence artificielle de niveau humain, disons qu'il y ait le même niveau d'intelligence qu'un chercheur actuel en intelligence artificielle. Bah alors cette intelligence artificielle, bon déjà elle pourrait se répliquer en des milliers d'exemplaires et avec se faire une espèce de laboratoire de recherche miniature et créer une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui serait un petit peu plus intelligente, puis recommencer le procédé et puis peut-être en quelques années, voire quelques mois, on pourrait avoir une espèce d'explosion d'intelligence. Et dans ce cas, la suite déjà serait complètement imprévisible et surtout elle dépendrait uniquement des conditions initiales qu'on a données à cette intelligence artificielle. On peut se demander si une telle singularité est technologiquement possible et si oui, quand est-ce qu'elle va arriver? Alors, il y a plein de gens qui vont vous annoncer des dates très précises comme le 31 décembre 2045. Bon, en fait, c'est très très dur de faire des prédictions et on se trompe souvent. Mais une statistique que je trouve intéressante, c'est un sondage qui a été fait auprès de chercheurs en intelligence artificielle à une conférence de recherche. On leur demandait de parier sur la date de l'arrivée d'une intelligence artificielle de niveau humain. Et il y a deux chiffres intéressants. Donc, d'une part, en 2050, il y a à peu près 50% des chercheurs qui pensent qu'on y sera. Et surtout, en 2100, c'est 90% des chercheurs. Donc, il y a une petite minorité qui pense que c'est absolument impossible, mais une majorité écrasante qui pense qu'en 2100, on y sera. Alors après, est-ce que c'est souhaitable? J'ai envie de dire, d'une certaine manière, est-ce qu'on a le choix, dans le sens où on est un petit peu coincé dans un monde où il y a de la compétition économique et où chacun va avoir intérêt à développer de l'intelligence artificielle pour augmenter ses bénéfices. Et du coup, une métaphore que j'aime bien, c'est la suivante, c'est de se dire, bon, supposons qu'on veuille arrêter l'eau d'un fleuve, on peut construire un barrage, mais au bout d'un moment, ça va déborder, donc ça ne va pas fonctionner. Par contre, ce qu'on sait faire depuis très longtemps, c'est dévier l'eau du fleuve dans un canal, dans une direction qui va être plus favorable. Et c'est ce qu'essayent de faire notamment les chercheurs dans un nouveau domaine qui s'appelle AI Safety. Donc, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais on va dire c'est la sécurité de l'IA, dans lequel je fais aussi quelques recherches, qui va consister à se dire comment faire en sorte qu'une telle intelligence ne soit pas hors de contrôle, qu'elle n'ait pas des comportements qui soient contraires à nos intérêts, etc. Donc je pense que nous avons tout intérêt à investir beaucoup d'argent dans cette branche de l'IA, donc pas seulement à faire des intelligences artificielles plus efficaces, mais aussi à créer des intelligences artificielles qui soient plus sûres.